rendre hommage aux pionniers que sont Bocar Sadiq Kane, Feu Chérif Macky Sall et Cheikh Sarr, les premiers édiles de Guédiaye. Ils ont tous les trois eu en commun le fait d'être habités d'une passion forte et sincère pour une ville à peine sortie de terre alors. Cet amour, ils l'ont exprimé de belle manière en portant le fardeau de la construction d'une ville, mais aussi celui de ces petites attentions du quotidien qu'aucune donnée comptable ne saurait exprimer dans sa vérité crue. Après avoir fait notre immersion dans les rigueurs de la gouvernance locale, nous mesurons aujourd'hui les efforts déployés par ces pionniers pour donner à cette terre en friche l'image et les bases fondamentales d'un lieu de vie. Nous sommes aujourd'hui, comme il y a 7 ans encore, plongés au cœur du choix d'un homme ou d'une femme et d'une équipe pour porter l'étendard de Guédiaye. Porter l'étendard de Guédiaye face aux nombreux défis à venir. En 2014, la population m'avait accordé sa confiance. Aujourd'hui, je n'irai pas jusqu'à dire que nous tutoyons le ciel, loin de là. Mais nous avons résolument pris date avec l'avenir, car force est de reconnaître que dans chaque domaine, Guédiaye a le mérite d'avoir ouvert une page d'histoire prometteuse qui renvoie les affres du passé toujours un peu plus loin dans nos mémoires. Nous sommes loin des années 60, fin des années 60, où les populations étaient forcées de s'implanter ici. Il serait fastidieux d'en faire le recensement dans le cadre de cette lettre, mais je voudrais bien, pour leur caractère emblématique, revenir sur des choix forts qui vont durablement avoir un impact considérable sur les apprentis, sur les apprenants d'aujourd'hui et futurs acteurs du destin de cette ville. Ainsi, la construction ou la réfection de nombreux établissements scolaires d'enseignement, ainsi que la dotation massive en matériel didactique aux pensionnaires, constitue incontestablement un pari sur l'élite de demain. Nous n'en sommes pas restés là. Nous avons soutenu la conception de manuels de renforcement validés par la tutelle et les avons mis à la disposition des ayants droit. Dans le même ordre d'idée, des inscriptions gratuites ont été accordées aux élèves des séries scientifiques et techniques, comme les séries S1, T3, en vue de combler notre gap en ressources scientifiques hautement qualifiées, hommes et femmes confondus. Jamais dans l'histoire de Guédiaye un tel investissement n'a été consenti. C'est dire que nous assumons la responsabilité d'avoir fait de l'éducation et de la formation une surpriorité. Un engagement qui va au-delà d'une gestion à la petite semaine. Et il faut dire que les élèves nous le rendent bien. Le lycée Limam Moulaye, s'est en effet positionné au centre, comme centre d'excellence, reconnu et cité en exemple au niveau national. Et depuis, il faut le dire, il faut le souligner, les autres lycées du département sont en train de suivre le chemin tracé par cet emblématique établissement scolaire. Au plan sanitaire, très peu de personnes savent que l'établissement de santé Roi Baudouin, faisant office il n'y a guère longtemps de maternité, mais pompeusement appelé hôpital, avec une douzaine de spécialités, dispose désormais d'une douzaine de spécialités, de 14 unités d'hémodialyse et d'un second bloc opératoire, en plus d'un service d'accueil d'urgence et, cerise sur le gâteau, une unité de télémédecine qui lui permet d'offrir des services de pointe tant au plan national que dans la sous-région. Cet hôpital donc, cette ancienne maternité, a depuis combler son retard jusqu'à s'acheminer bientôt vers le statut d'hôpital de niveau 2. C'est un signal fort qui exprime la volonté qui est la nôtre de mettre nos infrastructures et équipements sanitaires au niveau des standards les plus relevés.
Mais nous serions incomplets si ce tableau occultait, bien évidemment, notre gestion collective et réussie de la pandémie de la COVID-19 grâce à l'hôpital d'Al-Jam, le plus grand CTE du pays qui a joué un rôle leader au plan national dans la gestion de cette pandémie. Cette victoire contre la COVID-19 est un exemple achevé à la fois de coopération entre administration centrale et municipale, mais aussi de mobilisation de leviers communautaires qui a fini par faire des émules à travers le pays. C'est le même esprit qui a présidé à l'élaboration du plan d'aménagement du littoral, appelé Bande Filao, et au programme d'acquisition de foncier pour équipement collectif. La raison est simple. Autant nous sommes tributaires des marges étroites du passé, autant notre responsabilité en direction des générations futures nous commande de forger notre ambition et d'être à l'affût de toutes les opportunités qui peuvent ouvrir les portes de la modernité et de l'inclusion sociale. Tel a toujours été notre credo. Il en est de même dans un tout autre registre, certes, mais plus visible cette fois-ci, des opérations d'envergure de bitumage, de pavage et de désencombrement entreprises dans un grand nombre d'axes routiers et qui ont profondément lustré et redonné une seconde jeunesse aux artères de notre ville. Aussi, en dehors des programmes nationaux, Vénéen Nord, Route de Niaï, Berté, Guédiawaye a bénéficié de 7,5 km de route en pavé. Mieux, à partir de ce mois de janvier, la deuxième phase de pavage va permettre de doubler ce linéaire. La ville de Guédiawaye dispose désormais du plus grand centre hospitalier, nous le disions, et là nous sommes dans les perspectives. Je voudrais d'ailleurs à ce niveau dire quelques projets qui sont en cours, comme la construction du premier lycée des sciences et maths du Sénégal pour un coût global de 800 millions sur le site actuel de Banque Islamique, la construction d'un nouveau collège à Wakinan, la réhabilitation qui va continuer des établissements scolaires, et ainsi que la construction et les équipements de salles de classe. 5 ans encore à venir, dans le domaine de la santé, la ville de Guédiawaye, comme vous le savez, dispose du plus grand centre hospitalier du pays, en plus de la plus grande maternité de la capitale sénégalaise. L'hôpital d'Al-Jam, avec 300 lits, extensible à 500, et l'hôpital Roi Baudouin qui accueille 3500 naissances par an, vous rectifierez de vous-même. C'est inscrit 4500, mais c'est 3500. Construction du premier centre départemental d'imagerie médicale et de biochimie de la banlieue. Là, nous sommes dans les perspectives. Construction d'un centre d'hébergement pour le stade Amadou Barry. Vous voyez bien que la construction a démarré, comprenant 30 chambres, 2 suites, un restaurant et une salle polyvalente de formation pour une valeur de 888 millions CFA. L'érection du stade Amadou Barry en centre international de préparation et d'hébergement. La construction d'une salle polyvalente d'une capacité de 1200 places. Création d'un centre commercial dénommé Guédiawaye Mall Center, le GMC. L'assainissement, l'éclairage, bitumage des routes en 2x2 voies sur les axes Canada-Préfecture, Marché Boubès, Arrêt Djalmbay et Police Wakinan, construction d'une fourrière départementale, réalisation de 2 centres artisanaux de production, d'abord pour les métiers de la mode, ensuite de l'automobile. La réalisation d'un centre de perfectionnement de coupe, couture et coiffure, l'organisation du Festival international des arts et de la culture de Guédiawaye et l'organisation du Salon international de l'artisanat. Nous nous engageons désormais à consolider cette tendance, à promouvoir un développement par nous-mêmes et pour nous-mêmes, qui s'appuie sur nos ressources humaines d'abord et sur notre génie propre pour se renouveler, tout en restant ouvert au partenariat. Avec vous, nous nous engageons sans plus tarder
a enclenché le mouvement sous le signe de l'optimisation de l'offre de services et d'opportunités en direction d'une masse critique de destinataires. Il y sera notamment question de diversifier l'assiette de nos interventions, de l'élargir et de la rendre plus productive, d'implanter ensuite un modèle économique et de gouvernance qui offre à chacun de nos concitoyennes et concitoyens les voies et moyens de travailler, s'approvisionner, mais aussi apprendre, se soigner et s'épanouir ici même. Enfin, de mener de pair la quête de bien-être individuel et celle de solidarité active en direction des plus vulnérables d'entre nous, c'est à nos yeux seulement ainsi que nous allons desserrer l'ombre massive, protectrice et condescendante de Dakar, qui avait jusque-là servi de paravent commode pour masquer nos insuffisances. Cette ambition passe par des choix forts. Notre vision du progrès est celle qui n'érige pas un mur entre deux mondes opposés, mais construit un pont en vue de consacrer l'équité et la justice par la rencontre, voire la communion dans un espace de prospérité partagée des différents segments de population. Le 23 janvier prochain, plus que le choix d'une personne, vous aurez à faire un choix de programme entre un développement urbain fait de cohérence, d'ambition et de pragmatisme, et de l'autre côté, un charlatanisme trempé dans des approximations synonymes de régression. Nous sommes persuadés qu'entre les deux, votre attachement viscéral à la grandeur de Guédiawa et votre esprit de discernement sauront faire la part des choses. Et parce que nous savons d'où nous venons, nous ne commettrons pas l'erreur de nous risquer dans des chemins incertains. Pour ce faire, je suis certain que vous ne laisserez pas notre ville entre des mains inexpertes. Vous avez déjà choisi, à ma modeste personne, la voie qui nous mènera au cime de l'émergence. Je vous remercie. Vous avez parfaitement raison de mettre le doigt sur l'absence d'éclairage le long de l'axe de la VDN 3 qui traverse la ville de Guédiawa. Le réseau existe, il a été mis en place dans le cadre du projet lui-même, puisque l'éclairage public faisait partie du projet. Donc le réseau existe, il ne reste que la connexion. Et il y a quelques soucis de procédure, puisque, comme vous le savez, c'est un partage de compétences et de responsabilités. Dans une localité, en matière d'éclairage public, l'implantation et l'extension du réseau relèvent de la compétence de la ville. Mais la connexion, l'entretien et la prise en charge des factures d'éclairage public relèvent des communes. Alors, depuis lors, les réseaux ont été mis en place, mais il a fallu d'abord, compte tenu de l'implantation des compteurs, savoir quelle est la commune qui devrait prendre en charge. Et vous comprendrez l'hésitation de certaines communes où sont implantés des compteurs, de prendre en charge cette question, étant entendu que l'éclairage traverse plusieurs communes. Alors, au-delà du simple problème d'éclairage, il n'est pas simple parce qu'il est à l'origine d'accidents et de l'implantation d'agresseurs et autres, donc ce n'est pas une question à banaliser, mais ce que cela pose, c'est la nécessité de l'intercommunalité dans certaines problématiques. Aujourd'hui, on ne peut pas gérer la question de l'éclairage public à l'échelle d'une seule commune. Il faut aller vers des intercommunalités. C'est tout comme la question de l'entretien du réseau routier. On ne peut pas avoir un entretien sur un axe, si je prends l'exemple des routes de Précol qui traversent les communes de Sam-Notaire et de Golf. On ne peut pas dire à la commune de Sam de balayer jusqu'à hauteur de croisement Djalmbaye et demander à la commune de Golf de continuer le reste. Il y a des sujets sur lesquels, pour qu'il y ait de l'efficacité,
il faut de l'intercommunalité. Et d'ailleurs, l'esprit de l'acte 3, en créant la ville, c'était d'en faire une sorte d'intercommunalité. Seulement, les mesures d'accompagnement, notamment au plan réglementaire, les textes d'application, ont tardé à être pris. Et une de nos priorités, c'est d'instaurer un dialogue. Et c'est pourquoi j'insiste auprès des populations, pour leur dire que nous souhaitons avoir Benno Bokayakar dans les 5 communes. Ça va faciliter le dialogue entre les différentes collectivités territoriales. Ça va nous permettre d'être plus solidaires et d'être plus rapides dans nos prises de décision, surtout quand il s'agit de décisions concertées. Et pour en revenir à votre question, il y a une dizaine de jours, j'ai pris l'initiative de contacter la CEDELEC pour qu'on prenne des mesures provisoires, s'il le faut, que ce soit pris en charge par la ville, et nous nous acheminons vers ça, en attendant que la question de la géographie de la compétence des uns et des autres soit définitivement réglée. La deuxième question, c'était, très franchement, je suis optimiste. Parce que je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir la violence. Je ne vois pas. C'est-à-dire que chacun a fait sa liste. Chacun est libre de faire une campagne électorale. On est quand même dans un pays qui est rodé dans les élections. À Guédiawaï, si je me souviens bien, moi, depuis 2013 que je suis là, on n'a vraiment pas connu de violence à proprement parler. Donc je ne vois aucune raison d'être pessimiste. Mais il faut toujours alerter et prendre les mesures qu'il faut. Les mesures, c'est d'abord que chaque leader, que chaque responsable évite de verser dans la provocation. C'est pourquoi nous, dès le début, nous avons donné instruction à nos militants et à nos différents responsables d'éviter d'organiser des processions en passant devant des activités organisées par les adversaires. Ça, il faut l'éviter. Il est impossible d'éviter les domiciles de nos adversaires, surtout quand ces domiciles sont sur des axes routiers principaux. Mais il faut se faire le plus discret possible, parce que ça ne sert à rien. Ça ne nous apporte rien du tout en versant dans la provocation. Vous pouvez rassurer, en ce qui nous concerne, qu'aucune provocation ne viendra de notre part. Et de toutes les façons, même si en face on nous provoquait, nous allons éviter des confrontations. C'est dans cet esprit que depuis un mois, j'ai informé les autorités administratives et sécuritaires de mon agenda pour leur dire au détail près qu'à telle date, je serai à tel endroit. Non seulement pour que les mesures sécuritaires soient prises, mais pour que tous les autres acteurs soient informés et que chacun puisse s'organiser en évitant les télescopages. Maintenant, il faut dire que souvent, ce qui ramène les problèmes, c'est les grandes affiches. Pendant la campagne, parfois des jeunes, organisés ou pas, téléguidés ou pas, sabotent l'affichage des adversaires. Mais moi, j'ai dit même ça, il faut trouver un autre système différent du système de sécurisation. Parce que si on se met à vouloir sécuriser nos affiches, ça veut dire qu'on va être confronté à tous ces saboteurs et ça va provoquer des affrontements. Ce n'est pas nécessaire. Nous avons pris les dispositions pour que chaque fois que nos affiches seront déchirées, on va les renouveler. Point barre. Monsieur Alassane, j'ai compris très rapidement en 2014 que le principal problème que nous avions pour développer des infrastructures, c'était la disponibilité foncière. Guédiawaï est urbanisé à hauteur de 84% de son territoire. Ça veut dire, sur 84% de son territoire, il y a des bâtiments. Sur le restant, c'est soit des zones non édificandi ou la bande de Filao, qui était classée et qui donc était intouchable. Le seul aménagement accepté quand j'arrivais, qui avait été réglé par mon prédécesseur Cheikh Sarr, c'était l'acceptation par l'administration des eaux et forêts de l'implantation des cimetières sur 20 hectares au total, je crois. Alors, quelle était la situation de la bande? Il faut qu'on se le rappelle très bien, en 2014.
tous les jours, c'était des plaintes de vol de sable par des charretiers, d'agression la nuit, parfois même le jour, et de transformation de la bande en dépotoir d'ordures. C'était ces trois réalités-là. Nous avons dit, ça ne peut pas continuer. Il faut qu'on aménage la bande. Et évidemment, aménager la bande, c'est peut-être donner une partie en habitat, mais c'est surtout les équipements. Et c'est en ce moment que nous avions décliné un certain nombre de projets que nous avons partagé avec la population. Surtout la population riveraine, les hameaux et autres. Un dialogue a été instauré. Certains étaient d'accord sur un certain nombre de projets, d'autres pas. Mais le principal obstacle a été, le seul obstacle d'ailleurs, a été l'existence de foncier. Et la procédure visant à déclasser cette bande a pris beaucoup de temps. Il nous a fallu d'abord concevoir le plan. Nous avons à l'époque contracté des consultants. Nous avons ensuite eu à faire une requête auprès des services compétents de l'État pour nous appuyer. Et quand le plan a été parachevé, il a été soumis au conseil municipal de la ville de Guédiawaye, qui l'a adopté. Après cela, ce même plan a été soumis d'abord au comité régional d'urbanisme, comité régional domanial, qui est présidé par le gouverneur, qui l'a validé. Ensuite, au comité régional d'urbanisme, toujours présidé par le gouverneur de région, qui l'a validé. Et c'est à la suite de cela, le ministère de l'urbanisme, avec tous ses agréments, a initié un projet qui a permis au président de la République de prendre un décret déclassant la bande des Filao et donc acceptant de fait le plan d'aménagement de la ville de Guédiawaye. Aujourd'hui, nous sommes en phase de mise en œuvre de ce déclassement par la finalisation du plan d'implantation. Parce que une chose est de décider d'un plan d'aménagement, l'autre chose est de mettre en œuvre sur le terrain. Sur le site, vous avez des vergers, vous avez des éleveurs, vous avez d'autres gens qui ont acheté à partir d'opérations frauduleuses des terrains, vous avez des gens qui se sont illégalement implantés. Tout ça, il s'agit de l'analyser, de voir ce qui peut être enlevé et de voir ce qu'on ne peut pas enlever. C'est ce qu'on appelle les coûts partis. Et à partir de ce moment, passer maintenant à l'occupation effective, d'abord par les lotissements et ensuite par les différents équipements qui seront confirmés. Les équipements, nous vous confirmons la salle de spectacle qui sera érigée. Nous vous confirmons la fourrière départementale. Nous vous confirmons les deux parcs artisanaux. Nous vous confirmons au moins deux établissements scolaires toujours orientés vers les technologies et les sciences. Je voudrais inviter le maire Maudou Bousso à venir s'installer à mes côtés. Donc, nous n'avons pas renoncé à ces projets. Au contraire, la difficulté, c'était la disponibilité foncière. Maintenant que ces choses acquises, nous passons à la phase de mise en œuvre. Et après mise en œuvre, nous allons réaliser les infrastructures, chacun en ce qui le concerne. Parce qu'il faut aussi comprendre, on dit qu'on va construire un palais de justice là-bas, mais il n'appartient pas à la ville de le faire. C'est l'État qui construira. Si on va construire une école primaire, ce ne sera pas à la ville de le faire. C'est la commune qui va abriter l'école primaire qui va faire ça. Mais par contre, quand on dit que c'est un lycée qui va être construit, il appartiendra à la ville de le faire parce que cela relève de notre compétence. Donc les équipements sont nombreux parce que ça va occuper près de 35 à 40% du plan d'aménagement, vont être affectés aux différents bénéficiaires que seront les collectivités territoriales en fonction de leurs compétences et l'État lui-même. D'ailleurs, l'État a démarré, puisque l'État a déjà implanté son chantier pour construire la maison citoyenne, d'une part, mais aussi la cour d'appel, etc. Donc, tout ce qui concerne le tribunal, tout ça, c'est en train d'être implanté. Il y a le centre de formation professionnelle polyvalent qui est en train d'être implanté. Donc, l'État lui-même a démarré. Bon, les autres espaces vont être affectés
aux différents bénéficiaires, communes, villes, etc., pour leur mise en œuvre progressive. Alors là aussi, je dois préciser qu'il ne s'agira pas de venir implanter du désordre sur la bande. Non. On va faire des espaces aménagés pour promouvoir une production moderne, une production artisanale moderne. Ça veut dire que ces espaces seront aménagés, équipés et affectés aux artisans suivant des modalités sur lesquelles nous allons discuter avec les acteurs de l'artisanat, qu'il s'agisse des métiers de l'automobile ou des métiers de la mode, où donc il y aura de l'investissement pour aménager, de l'investissement pour équiper et une contractualisation avec les acteurs de l'artisanat pour voir comment on va gérer ces outils de développement. C'est pareil d'ailleurs, vous voyez qu'il y a une bâche parce qu'il y a un forum de des associations. C'est pour réfléchir ensemble sur le mode de gestion qui va être celui de la maison des associations que nous venons de construire, qui est une propriété de la ville, mais que nous souhaitons mettre à disposition des associations. Mais il faut s'entendre sur les règles de fonctionnement et de gestion de cet établissement qui est assez innovant. Donc, mais que je sache d'ailleurs, ici, les artisans n'ont pas été beaucoup déguerpés. J'ai toujours dit, je suis contre les déguerpissements sans offrir la possibilité d'implantation ailleurs. Mais pour dire la vérité, telle que je vois les choses, même la bande prise toute entière ne suffirait pas à déménager les mécaniciens tôliers. Il faut qu'il y ait une modernisation de notre secteur artisanal, mais au-delà de la ville de Guédiaoué, mais de toute la région de Dakar. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à voir des mécaniciens partout, des menuisiers partout, parce que simplement, on n'a jamais pensé en aménageant nos villes, on n'a jamais pensé à des zones d'activité économique. Et ça, il faut que ce soit corrigé. Il faut que ce soit corrigé. Le président de la République a pris une première initiative pour mettre à disposition 50 hectares. Mais je crois qu'il faut qu'on aille au-delà. Les zones de production, dans aucun pays moderne au monde, ne peuvent pas cohabiter avec les services, l'habitat, etc. Donc il faut vraiment, à l'échelle régionale, voire à l'échelle du pôle de la région de Dakar, essayer de promouvoir l'implantation des artisans pour un peu les séparer des zones d'habitation. Bon, pour la COVID, nous avons vraiment fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Déjà, nous avons réorienté en 2020 l'essentiel de nos ressources budgétaires vers l'assistance aux populations. D'abord, vers les urgences. Si vous vous rappelez à l'époque, les premières semaines de COVID, des mesures fermes avaient été prises pour les fermetures des DARA. Or, ici à Guédiaoué, nous avions beaucoup de DARA internes. Il fallait très rapidement prendre en charge ces enfants, ces maîtres coraniques. Et c'est la mairie, avec les Badjenougor, avec les Ndeyou DARA, qui ont pris en charge cette question, sans quoi il y aurait de la catastrophe. Et pour cela, il a fallu réorienter des ressources budgétaires. Et nous l'avons fait sans hésiter. Et nous avons été suivis en cela par le conseil municipal. Par la suite, quand on a manqué de ressources, nous avons demandé l'autorisation au chef de l'État de pouvoir faire des réorientations budgétaires sans pour autant passer par les procédures habituelles qui consistaient chaque fois à reconvoquer le conseil municipal, d'autant plus qu'il était découragé de réunir de grandes assemblées. Et le président de la République, par ordonnance à l'époque, si vous vous souvenez, avait permis aux collectivités territoriales, sur notre demande, de prendre des décisions simplement par le maire. Et c'est ce que nous avons fait, ce qui nous a permis d'assister non seulement des couches vulnérables, mais d'assister certains établissements de santé, à l'époque d'Al Hadjam, alors qu'ils n'étaient même pas encore centres de traitement des épidémies. C'était eux. Donc nous avons en réalité beaucoup contribué dans la lutte contre la COVID, en distribuant des masques, du gel, etc., dans les hôpitaux, au niveau des établissements scolaires, de façon systématique. Chaque fois qu'il y a eu examen, ouverture des classes, nous avons totalement pris en charge les masques, le gel, le savon, les points d'eau dans les établissements scolaires qui relèvent de notre compétence. Nous espérons que malgré cette nouvelle vague Omicron, les choses vont se tasser
et que donc nous n'aurons pas encore à intervenir. Mais en tant qu'entité publique, en tant que collectivité territoriale, s'il y a des urgences, nous ferons comme dans le passé, face à nos responsabilités, et nous prendrons les décisions idoines. Je rappelle que même les subventions aux ASC en 2020 ont été annulées et réorientées dans l'aide dans le cadre de la COVID. Donc c'est dire que nous avions réellement pris nos responsabilités et si cela devrait se poser encore, on n'espère pas, on ferait face. Oui, mais maintenant on n'est plus dans l'urgence. L'urgence a été gérée par l'État à travers le fonds COVID-19. Et donc toutes les couches vulnérables ont reçu leur appui, y compris les entrepreneurs. La collectivité n'a pas les moyens, il faut être réaliste, n'a pas les moyens de dégager des ressources pour venir en appoint aux couches vulnérables en termes de ressources numéraires. Ça relève de l'État et je crois que l'État l'a bien fait dans les différents secteurs. Évidemment, nous sommes là pour accompagner l'État. Pour la Coupe d'Afrique, nous avons conçu, je demande d'ailleurs à mes équipes d'imprimer l'agenda et de le partager avec la presse. Nous avons conçu notre agenda et nous avons laissé des marges pour tous les jours, en tout cas les après-midi de Coupe d'Afrique, il n'y aura pas d'activité de grande envergure. Mais moi, en tant que candidat, et j'espère aussi le candidat Modou Bousso, je ne resterai pas chez moi pour dire aujourd'hui c'est le jour de Coupe d'Afrique, je ne ferai pas campagne. Au contraire, je ferai de la proximité. Et quand les matchs du Sénégal me trouveront dans un domicile, je regarderai les matchs avec les habitants de cette maison et je partagerai les joies que j'espère nombreuses pendant cette Coupe d'Afrique. Et donc ainsi, on aura une cohérence totale entre notre agenda, nos activités et la Coupe d'Afrique et ça ne va pas se gêner. Tant que le 8 février, on pourra faire une grande fête pour notre victoire et, ici à Guédiawaye et fêter aussi la victoire des Lions pour la Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Ouais, ils ont raison. Nous avons été un peu boulimiques. Mais heureusement, eux, ils n'ont pas été aussi boulimiques que nous. Ils sont très compréhensibles. Et ils sont très engagés dans la lutte aujourd'hui. Et ça, bon, c'est un problème à la paire. Hein. Nous voulons toujours prendre un peu plus. Et d'ailleurs, il faut le reconnaître. Il faut qu'on fasse toujours un peu plus de place à nos alliés. Et moi, vraiment, c'est une réalité qui me gêne beaucoup. Quand je vois des maires comme Aïdé Sow Diawara qui ont fait du bon boulot et qui étaient obligés du fait de la pression interne à la paire parce qu'il y a de nouveaux leaders, de jeunes leaders ambitieux, ça me fait de la peine parce que je connais sa contribution dans la coalition. Bon, mais heureusement que nous avons affaire à des gens qui ont une haute appréciation de... Une grande appréciation de la question politique, qui ont su faire preuve de dépassement et qui aujourd'hui jouent un rôle central dans notre campagne. Que ce soit la culture ou d'autres activités, moi je ne suis jamais satisfait totalement de mes réalisations. Je considère que, compte tenu des ambitions que nous avons, compte tenu de notre ferme volonté de changer les choses, je considère qu'il y a toujours des choses encore à faire et qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas pu faire pour diverses raisons. Là, par exemple, c'était l'absence de disponibilité foncière. Pour la culture, pourquoi j'ai eu des regrets? C'est parce que j'avais réellement des ambitions pour la culture. Déjà, quand je faisais campagne électorale, j'avais fait appel aux hommes de culture. Et j'avais discuté avec eux. Ils avaient apporté leurs idées que j'avais pris en compte. Et moi aussi, je leur avais dit quelques principes. Par exemple, qu'il ne s'agissait pas pour moi, en tant que maire de ville, d'apporter des subventions importantes au secteur culturel parce que je savais d'emblée que la collectivité ne disposait pas d'assez de ressources pour subventionner à coups de millions le secteur culturel. Par contre, je leur avais dit, je mise sur les infrastructures, notamment avoir une grande salle de spectacle, réhabiliter le CEDEPS, etc., pour poser les jalons d'un épanouissement culturel. Parce que dans ce secteur précisément, la ville n'est pas principale actrice. Elle est là en tant qu'institution d'appui, institution de promotion. Mais cela aurait été plus facile s'il y avait une unité, une union des cœurs, une unité des acteurs culturels. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous avons même pris, à un certain moment,
l'initiative d'organiser le festival de Guédiawaye. Mais nous avons été confrontés au refus de certains acteurs qui disaient qu'ils n'étaient pas d'accord sur le concept, qu'il fallait un festival intégral, autrement dit un festival où vous auriez tous les métiers de la culture. Alors je demande, quel est le pays au monde où on organise un festival où vous avez toutes les activités culturelles, peinture, littérature, théâtre, dessin, culture urbaine, c'est pas possible. Et donc, le principal obstacle que nous avons eu, c'est l'obstacle de l'organisation des acteurs culturels. Mais nous avons décidé de changer de stratégie. Nous allons promouvoir, d'une part, les initiatives privées dans le domaine culturel, pour ne pas avoir à être sous le dictat de groupements ou d'associations qui représentent certes un certain nombre d'acteurs culturels, mais avec qui, parfois, il faut le dire et le reconnaître, il est difficile de dialoguer de façon efficace et d'arriver à des solutions. Donc, s'il y a des initiatives individuelles, privées, dans le domaine culturel, nous allons les promouvoir, d'une part. D'autre part, la ville va organiser désormais, lui-même, elle-même, le Festival des Arts et Cultures. Nous sommes en train de travailler sur le concept d'ailleurs. Nous avons fait un essai dernièrement en invitant Baba Mal, Simon Sen, Bidiou Boubès, Djeliba Kouyaté Junior pour tester notre capacité organisationnelle en matière d'événements culturels. Et ce test va nous servir, dès l'année prochaine, Inch'Allah, à instituer un festival des arts et cultures qui va donner une place importante à la musique. Le troisième volet, c'est l'infrastructure. Maintenant qu'il y a de la disponibilité foncière, vraiment notre priorité sera de rechercher des financements importants pour qu'il y ait une salle qui est digne de ce nom et pour faire en sorte que, du point de vue de l'événementiel, Guédiawaye puisse accueillir de grands spectacles mais aussi de grandes conférences, entre autres. Donc c'est ce que je souhaitais dire pour la culture. Nous avons eu des difficultés de dialogue avec les acteurs culturels. Malgré cela, nous avons quand même accompagné des acteurs culturels dans leurs initiatives. Le dernier exemple en date, c'est le festival de Fou Malade du mois de décembre. Nous l'avons fortement soutenu. Et nous l'avons d'ailleurs régulièrement soutenu. Chaque fois que les Tambombé et autres ont eu leur festival, nous les avons soutenus. Donc nous ne sommes pas absents du secteur culturel. Mais nous aurions été beaucoup plus efficaces s'il y avait une unité, mais ce n'est pas une chose simple. Ah oui? Vous ne connaissez pas la commune de Sam alors? Ah, en tout cas, je connais Sam. Vous connaissez le quartier Golfe Nord? Non, je n'ai pas dit Golfe. Vous connaissez la cité urbanisme? Non, j'ai dit Sam. Vous connaissez Amon Tefes? Je connais bien Amon Tefes. Vous connaissez Niari Boulangerie? Je connais Niari Boulangerie. Donc vous savez je que c'est... bien dit c'est... Non, moi je... J'ai précisé Kakessa. Non, vous avez dit... J'ai précisé Kakessa. Là où se trouve... Ah, c'est votre quartier? Là où se trouve la mairie Saint-Modère. Je comprends maintenant vos préoccupations. Je voulais juste préciser ça. Mais j'ai des questions quand même. Mais je vais répondre sur ça d'abord. L'axe que vous semblez évoquer, c'est l'axe qui va de rond-point marché, je dis, qui va dans SAM et qui se partage en deux. L'autre axe va vers le marché SAM, la mairie, et l'autre va directement vers Darussalam et les deux voies des Niaï. Cet axe ne peut pas être fait tant que les infrastructures d'envergure qui traversent la ville ne sont pas terminées. Parce que c'est un axe malheureusement de déviation. On était en train de faire les Niaï. Tout le monde déviait par Précol et passait par là-bas pour sortir. On ne pouvait pas en même temps fermer la route des Niaï et fermer cet axe pour la faire. Malheureusement, quand on a terminé les Niaï, on a démarré le BRT. Et là aussi, on ne peut pas fermer ici. Si on le ferme, c'est toute la ville qui sera bloquée. Et donc, cette taxe-là est programmée, les financements existent. Mais il sera fait, non pas en pavage, mais en route, en bonne et due forme avec l'éclairage pour reconfigurer la commune de Saint-Notaire. Mais en termes d'investissement,
tout ce que nous avons réalisé, essentiellement, c'est dans la commune. La grande mosquée, quand même, c'est dans la commune de Samnotaire. Les Alestrines Salou, c'est dans la commune de Samnotaire. Le bel hôtel de ville qui est en face, c'est dans la commune de Samnotaire. La maison des associations, c'est dans la commune de Samnotaire. La maison de la femme, c'est dans la commune de Samnotaire. La rénovation de Darussalam, c'est dans la commune de Samnotaire. La rénovation de SCAP Canada, c'est dans Samnotaire. Pourquoi j'insiste? Parce que je ne veux pas que l'idée soit diffuse selon laquelle nous privilégions les communes. Je privilégie les communes dans lesquelles les maires de Benno sont. C'est une idée totalement fausse et je viens de démontrer cela. Je n'étais pas au courant. De l'eau. Il faut vraiment me confier des choses que je peux faire. Vraiment, la question de l'addiction d'eau ne relève pas de la ville. Et vraiment, je ne voulais pas... Mais il est évident que moi, si je suis au courant de problèmes, je ne suis pas au courant de ce problème, franchement. Par contre, je sais qu'il y a des difficultés à Fadia en matière d'eau, parce que c'est de la hauteur. Mais je viens d'apprendre avec vous qu'il y a des difficultés d'addiction d'eau à Samnotaire. Ce n'est pas étonnant d'ailleurs que les populations ne me portent pas cela, parce qu'elles savent où aller. Il y a la SD, la CNO. Si je suis au courant de problème, en tant que maire et pas en tant que frère de président, mais je m'en occupe. Parce qu'en tant que maire, je peux parler aux autorités quand même. Mais ça, je viens de l'apprendre. Je vais regarder de plus près cette question et regarder comment contribuer à solutionner cela. Et monsieur le maire est bien présent, donc je suis sûr que nous aurons la bonne information. Évidemment, cette campagne électorale, elle va être particulière. Elle est particulière. Parce qu'en même temps, il faudra aller à l'assaut des électeurs et il faut aussi aller à l'assaut de la Coupe d'Afrique. Évidemment, les jours de match du Sénégal, il faut être innovant. Et nous n'avons pas hésité à buffer toute activité d'envergure les jours de match de football. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas être actifs sur le terrain. Au contraire, nous allons faire de la proximité. Nous allons rentrer dans les domiciles et discuter avec les gens. Même les jours de match, et comme je l'ai dit tantôt, quand il arrivera l'heure du match du Sénégal, nous arrêterons, nous entrerons dans un domicile, comme on sait le faire au Sénégal, même sans avertir, et nous regarderons avec les familles les matchs de football. On avait été tenté par la mise en place de fan zone, mais nous préférons franchement attendre la phase des demi-finales. Parce qu'au Sénégal, on est un peu trop vite, souvent dans l'euphorie et dans la fête. Nous, on préfère vraiment qu'on aille le plus loin possible avant de faire des fan zones, hein, vraiment des espaces. Nous pouvons le faire pendant la campagne. Mais en même temps, on ne veut pas aussi que ce soit détourné, comme si on voulait détourner voilà, l'opinion ou les électeurs ou les jeunes en mettant des fan zones. Nous attendrons la fin de la campagne, ce sera le 23 janvier. Et après, ce sera la phase des demi-finales et des finales. Et en ce mois, Inch'Allah, nous offrirons des fan zones. ZTV 72. Le Sénégal en image.